Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh, Lord, please don't let me be misunderstood. C'était pas un homme de pensée seulement, c'était un homme d'action. Et il joignait toujours l'acte à la parole. C'est ce qui est fondamental chez lui. Il n'était jamais l'homme des vérités absolues. Toutes ses vérités, tous ses engagements étaient suivis d'analyses critiques et de nouveaux engagements. Voilà. C'est lui, Casimir, le papa de France. Et ça, c'est une dame, c'est tante Rose. Ouais. Et elle, c'est tante Alcina. Alcina, grand-mère de. La maman de tante de ton papa Casimir. Voilà. Ouais, mais tout petit, est-ce qu'il avait l'habitude? Il venait des fois ici. Ah oui, c'était un bandit. Hein. Papa m'a dit ça et j'ai mis ça dans le texte que j'ai lu. Ouais, ouais. Il restait pas en place, il était toujours en train de chercher à faire des. Ah non, il était pour ses études, hein, français. Ouais. Très intelligent, hein. Très intelligent, je pense. Mais qu'est-ce qui peut expliquer que dans la famille dans laquelle qui était bien petite bourgeoise de Fort-de-France, et qu'est-ce qui peut expliquer aussi que lui, il est sorti de ce giron-là, à ton avis? Non, qu'est-ce qu'il y avait autour de la famille? Parce non, que... il n'aimait pas l'injustice. Voilà, ça, il n'est pas l'injustice. C'est vrai. War rages throughout Europe. Nazism triumphs. From occupied France, the Vichy regime rules the colonial empire with an iron fist, a strategic tactic in a planetary conflict. Racism and exclusion further alienate the people of Martinique under the yoke of the zealous Admiral Robert, Vichy's appointed leader. Après, il repart en guerre, à la guerre, toujours pour défendre la mère patrie, la France. Et c'est arrivé en France qu'il se rend compte que finalement, il n'est pas comme les autres. Il écrivait régulièrement à sa famille. Et une lettre qu'il a écrite à sa mère, qu'on a retrouvée après la mort de ma grand-mère, disait bien qu'il se demande pourquoi il se bat pour la France, alors que enfin, la formule c'était quand le fermier lui-même s'en fout. Après la guerre, il est revenu, il a fait la campagne avec Césaire. Non, à ce moment-là, il était toujours dans la bonne... une démarche d'engagement et de recherche d'une autre humanité. Hein. Il faut, pour découvrir Fanon, une sorte de réveil de conscience et, aussi bizarre que ça puisse paraître, une désaliénation. Et c'est effectivement le combat principal de Frantz Fanon qui traite de désaliénation des peuples colonisés. Le combat de Fanon est actuel, il est toujours d'actualité. Aujourd'hui encore, nous avons à nous battre pour lutter contre l'aliénation de notre situation de peuple anciennement colonisé, mais toujours sous une domination extérieure. This is the bit that interests Fanon, the seizure of liberty by the oppressed people.
And he thought that there was something liberating about that very act of armed seizure, of defeating the enemy, and the self-respect which would arise from an autonomous struggle of that kind. The whole black nation has to be put together as a black army. I really became aware of Fanon in the Black Panther Party. France Fanon and other revolutionary intellectuals were considered part and parcel of the Black Panther Party's dialectical material analysis. France Fanon's understanding of the colonial mentality, mm-hmm. of the pitfalls of nationalism and white supremacy are all relevant across the board in a whole variety. All the blood shed by the colonies during the war had revived the old demand for equality with the mother country, expressed in the past by abolitionists such as Victor Schœlcher. Deux siècles après l'abolition, les abolitions de l'esclavage, nous ne sommes pas sortis de cette stigmatisation pigmentaire. Ceux qui croient que le combat n'est plus à mener, ont tort. Et ce qui se passe en France actuellement et ce qui se passe ailleurs dans le monde actuellement nous prouve bien que nous avons encore à lutter pour notre dignité. C'est fondamental. La lutte est permanente. Le combat que menait France Fanon il y a 40 ans est à mener encore aujourd'hui. C'est le combat de la dignité humaine. According to the flag that's flying on the fort, the identity of Martinique today is as it was when Fanon was trying to find his identity, is French. And the problem that he faced was that people felt that they were French and they were trying to be French. And the impossibility for them to be embraced by France and French culture was the big problem. According to what I see, you know, in 2007, that flag still flies. And I'm not sure that people don't still believe that they are French. Look at me, am I French? Regardez-moi, je suis français. Je ne pense pas être un français. Je ne pense pas que le drapeau qui flotte au-dessus du Fort Saint-Louis représente l'identité et l'âme martiniquaise. Dans le jeu des pouvoirs, nous sommes assimilés à la France, mais nous avons une forte volonté, tout au moins en ce qui me concerne, de vivre notre relation au monde de manière totalement libre. Beaucoup plus manifeste qu'il y a 50 ans, c'est évident. Aujourd'hui, nous avons même, au plus haut niveau du pouvoir, un noir à la tête de la Maison Blanche. Obama. I'm saying we've always had a mixed feeling about being black in America. This is one of the things that Fanon talked about. He talked about the ambivalence of the native. We sacrificed for America, so we ain't giving up our stake in America. But what does that mean? If America is an empire, what you're saying, that you want your share of the spoil? So ambivalence is key. This is why an Obama can inspire black folks. See, that's why Barack's running, to end the war. And I'm saying to you that right now, this particular point, America ain't prepared for you to take the energy to put Obama into office, into the streets. They're not ready for that shit. Obama does not share the black experience in America. That's why white people were able to put him in office, because they knew you wouldn't get a DNA flashback as commander in chief and firebomb Bush or something on his Texas ranch. Can you wrap up your speech, please? Because I, you know, I have some. Are you controlling? I beg your pardon? No. Are you a controller? No, I'm in the audience. You're up there. You're making this divisive. The point here is white supremacy. The point here is very simple. Okay? White supremacy ain't dead. You proof of that shit. On en a fait à une époque un théoricien de la violence. C'était commode. C'est vrai qu'il a théorisé les conditions d'émergence de la violence
Mais cette théorisation, c'était pour faire face et sortir de cet état de violence. Ce n'était pas pour armer tout le monde à faire une révolution violente. Sa recherche, c'est de sortir de ces états de violence.